Ça commence même pour être d'apporter ce message ici. Amen. Amen. Quand je suis quelque part, les gens ont tendance à dire ah non, il va venir. Et quand il me couvre, on est hier, il est bon. Il est prédicateur de l'évangile. Et là, l'agonie, les compagnons. Et ça, j'ai une rage envers la sorcellerie. Et devenez rageux. Amen. Vous savez, les gens n'aimaient pas le sida, ils ont mis tous les moyens. Ouais, la sida, quoi, ouais. Pour combattre bah, le sida. Quand ça. Le maître met tous les moyens en jeu pour éradiquer le paludisme. Dans quel coup, on dit la polio, où est le polio? La polio, non? Chaque année, nos enfants pleurent, on les attrape, on les met dans. On en a polio, ça finit pas depuis. Oui, c'est quoi, ça n'a rien pour pouvoir avoir polio. On n'est pas quelque chose, on combat ça. Mais c'est un enseignant, c'est. On déploie tous les moyens. Akbeke. Pour combattre. Vous et moi, vous savez que nos problèmes, là, c'est ça, c'est les risques. Allez, la main, après, je vais qu'entendre oui. Et moi, vous l'avez dit. Oui. C'est quelqu'un qui a fait comme ça. Oui, oui. 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 Vous êtes d'accord? Oui. Nos problèmes, c'est sorcellerie. Ah, il y a un peu de temps. Les gens ont dépassé ce stade. Parce que dans leur histoire, ils ont éradiqué ça. Nous, on a encore ce problème. Elles n'ont plus ce problème. Ils cherchent à se développer. Nous, on a un comportement de singe. Comment manger? C'est ça, dans nos comportements. Nous, on a gâté les gens. Et quand vous nous, ils sont noirs. Vous savez, les blancs, ils sont nègres. C'est dans le comportement. On aime bien critiquer les champions. Blanc, non critique. On aime détruit. C'est rentré même dans l'église. Sorcellerie. Amen. Quand il y a la sorcellerie, il faut combattre. Là où la sorcellerie est combattue, la prospérité, c'est et le reste s'impose. Il ne doit pas avoir deux rois dans ce village. Où c'est Jésus, ou c'est démon. Je suis venu dire à Satan de quitter. Parce que cette terre a été créée par Dieu. Depuis, il parle, mais il n'est pas encore attaqué. Je vous ai dit de m'attaquer. Non, il n'y avait pas de vous êtes sorcier. Allez appeler l'enfant. Vous pouvez aller, nous bénir, tout prêter. Allez prêter les jets privés. Vous serez maté.
parler. Pour rien. Manger la nuit. Vous dormez pas, vous vous envolez comme ça. Vous êtes très tordu quand vous dans vos pièces. Comment la nuit qui t'envole? La nuit est pas pour dormir. Soubara, vaincu au nom de Jésus. Moi, il sait qui est Jésus. Amen, Jésus. Amen. Ne sont rien. Acceptez Jésus dans les voies. Allez, amen, Jésus, qui compte. C'est à côté. Amen. Amen. Il y a pas de chaussier. Vous allez moi. Allez, fait une démonstration de puissance. Avec la puissance de Jésus. Mais la parole parle, on démontre la puissance. Élie a démontré la puissance. On va voir le Dieu qui va faire des choses. C'est là le Dieu qui sera adoré. Si c'est vous les sorciers, vous êtes pas venus. Il y en a un sorcier. Il y a peur. Oui, c'est quel jour? Ah, mon jour arrive. Non, il est bien, il est bon, Amen. Amen. Où on va soigner les gens, c'est pas là? Viens, accablez. Soignez-nous, nos malades. Jésus dit que le médecin, n'est-ce pas? Il est venu pour les malades. La sorcellerie, c'est une maladie. On laisse la maladie. Chef, tu te lèves trop. C'est bon, il est en cours. J'ai tout remarqué, tu te lèves. Et puis avant, la coupe, j'ai l'air de soumer. Ah, mais vraiment, la casse, le quai. Ok, c'est pour le quai, c'est mieux au sucre. Parce que vous voulez. Ok, pour le quai. Ok, pour le quai. Amen. Amen. On va écouter la parole de Dieu. Ce qui est sur le village sera bien ratissé, hein. Douana. Nettoyer avec autre jardin spirituel. Un baïgon spirituel. Baïgon. Vous serez des soubis à parler. Ça vous rend pauvre. Vous êtes sorcellerie, vous êtes pauvre. Vous tombez dans les coins bizarres. Nous, on a le Saint-Esprit, nous rend riche. Vous êtes pauvre, vous allez aller dans le feu là-bas. Je vais un sorcier me faire tomber dans ton village, s'il peut. Il y en a. Mais. Je le connais pas. Faut dire, annoncez ça. Faut dire, je veux quelqu'un. On va être pour communion. Mon nom, on ne les a pas les. On a les noms, on est bas, on peut tout être bon. On peut tout se loyer. On se loyer comme on a mon carrière. Vous dites que manger âme, non? On va pas. À la nuit, allez quoi oublier? Bah, si je suis bouillant. On va dire, on les suit, on connaît. Allez, c'est à toi. Amen. Amen. Mais Chougouya. Vous allez connaître bien. Vous allez connaître il y a bien, il y a Chougouya. Un roi, deux rois, chapitre 4. Écoutez très bien la parole de Dieu. Vous avez des Bibles? Les chefs. Tu as la Bible? C'est mon cas. Prophète, tu n'as pas de Bible. Tu ne vas pas à l'église? Je vais à l'église, mais n'a pas de Bible. Pourquoi? Et même pas de Bible, je ne l'ai pas encore reçu. Tu as pour celui-là? Ouais, j'aime celui-là. Ça coûte combien? Hein? Ça coûte combien? Bon, si c'est trop, 5 000, 7 000. La Bible, là, c'est moins que ça. Ah bon. Vous aimez Jésus? Très bien. Non, je ne crois pas. C'est maintenant que je vous amène à aimer Jésus. D'accord. D'accord. Si vous n'êtes pas chrétien, il n'a même pas parlé de Dieu.
Mais comme vous dites, vous êtes critique. Il y a la critique, il y a de vous attacher la parole. Jésus n'a jamais dit quelqu'un a dit disciple. Parce que le disciple, c'est celui qui suit l'enseignement du maître. Arrêtez de vous dire critique. Parce que le chrétien avait dit petit Christ. Et vous ne remplissez pas les conditions des critiques. Vous jouez ça comme ça. Je te donne une idée. Avant moi les Bibles. C'était chez vous. Tu es la tête d'un village, tu ne connais pas Dieu. Vous savez pas quel poisson là, c'est la tête qui se garde d'abord. Ouais. Quand le poisson veut se garder, c'est la tête. Ah. Toi, tu es la tête d'un village là-bas. C'est tout le monde va vite. C'est pas ça. Vous voulez être béni sans Dieu. La Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des espoirs. Et lui, il écrasera nos ennemis. Le roi des ennemis. Mais c'est avec qui? Qui est ton Dieu? Fais le point d'interrogation. Non, ça marche pas. Le village, les cliniques, c'est dispensé, bloqué. Vous allez démarrer sans Dieu. Puis lui, vous voulez l'associer à moi. J'ai dit des Bibles. Donc nous sommes pluriels, ouais. C'est français, on a parlé encore, respectons le français. Amen. Amen. Je me suis pluriel, je m'en vais. Voilà, je veux vous dire, j'ai affaire au pain. C'est pas chrétien, bien sûr, c'est le pain. Quand on a coupé, Christ, quand on a coupé, quand on dit souvent pain, ça va vous aider à être chrétien. Mais il dit pas les chrétiens, on va pas donner le Bible. Et quand il a qui dit caillou. Voilà, donc voici les. Quels sont les païens? Ah ouais, les goïla. Ouais, chef, tiens. Chef païen, tu deviens chrétien aujourd'hui. Amen. Non, je ne vais pas à autre histoire de. Non, je suis prophète. Chef païen. Appelons les chefs païens. On est chien, c'est chien. Vas-y. Et nous, les lois. Les parents de Dieu déclarer bon truc. Un qui est là, prophète. Pardonnez ça, elle va faire au rayon. Non. J'ai vu le bon pain, même sorcier. Qui est donné? Qui est fait? Non, j'ai vu le sorcier. Vous avez vu le sorcier? C'est pas les français. Et quand il te touche la vie, tu as fait. Et quand on court dans le monde? Les sorcières. Et comment? Amen. Amen. Voilà, donc il est vraiment important de s'attacher à la parole de Dieu. Ok?
Nous faisons la lecture. 1 roi, 2 rois, le chapitre 4, à partir du verset 1 à 7. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée. Écoutez très bien. En disant. En disant. Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre. Merci, merci, merci. Excusez, c'est ça nous les prophètes. Allons-y dans le psaume 60, verset 14. J'ai une rencontre avec vous à 5h du matin. Amen. Amen. J'ai donné une prédication. À 5h du matin, nous avons une grande action. Nous avons fait un peu le tour du village. Nous avons réuni, prié. Je vais recevoir des gens. Voilà, donc à cette rencontre, je vais prêcher le message. Parce que c'est un bon message. Il faudrait que nous soyons en éveil pour écouter ce message. Allons-y, le psaume 4, 60, verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. La parole est à Dieu. Vous savez, David était le deuxième roi établi d'Israël. David a vaincu Goliath. On s'est vaincu le front. Encore il a reçu l'onction royale. Il a eu un grand ennemi qu'on appelle Saül. Et comme il était attaché à la parole de Dieu, Dieu a écrasé tous ses ennemis. Dieu l'a établi dans Israël. Il est mieux placé de nous parler de Dieu. C'est avec Dieu. Amen. Vous avez besoin aujourd'hui de délivrance. C'est pas ça? C'est le. Vous sollicitez un homme de Dieu que je suis. C'est Dieu. Vous voulez une délivrance? Oui. Amen. Dieu restaure des vies. Vous voulez que des gens malades soient guéris? Vous voulez que le village soit libéré? Voir des projets se réaliser? Ça, c'est vos intentions. Mais là, vous voyez. Mais quelle est la démarche que vous menez? Auprès de Dieu. La Bible dit, c'est avec Dieu. Le premier problème que vous avez eu ici, c'est que vous n'avez jamais associé Dieu. Vous n'avez jamais mis Dieu à la première place. Il est l'alpha. Il est le méga. Il est l'alpha. Il est le méga. On ne peut pas démarrer quelque chose qui exclut Dieu de cette affaire. Ceux qui ont fondé propre, est-ce que c'est avec Dieu? J'ai dit non. Parce que c'était vraiment avec Dieu. Parce que la Bible déclare, si l'Éternel est parti, ceux qui bâtissent la maison travaillent en vain. Vous avez bâti ce village sans le Dieu d'Israël. Donc voici les retombées. Voici les retombées aujourd'hui. Aucun projet de développement n'arrive à se réaliser. Parce que vous ne l'avez pas associé. C'est normal. Que rien n'arrive à se réaliser ici. Non, c'est pas l'homme de Dieu. Parce que c'est lui qui vous l'apporte. Mais moi, Amen. Amen. Tu veux voir ta vie prospérée. Tu veux voir quelque chose. Tu veux te marier. J'aimerais voir quelque chose se décaler dans ta vie. Est-ce que tu es un Dieu? Est-ce que le Dieu d'Israël est un Dieu? David dit, avec lui. Avec lui, frère, je te conseille ce soir d'accepter Jésus. Parce que Jésus dit est Dieu. Il est Dieu. Si tu veux une élévation, tu veux être délivré du célibat, tu veux être guéri, tu veux voir grand, tu veux voir grand ton ennemi, il va dire que tu es Jésus. Ils
C'est l'héritage qu'on a laissé. Les démons. Ils ont mis des chimies. Qu'ils appellent les dieux. Mais voici les conséquences aujourd'hui. Voici les conséquences. En bâtissant ce village, ils n'ont pas bâti avec Dieu. Parce que la Bible dit que sur le fondement est renversé. Le juge est sur le restaurant. Le fondement est resté. Ils ont battu le village, ils ont battu les démons. Ils ont versé libération, ils ont invoqué les dieux des ancêtres. Ils n'ont jamais pensé que Dieu était Dieu. Ils n'ont jamais pensé que Dieu d'Israël. Son fait aujourd'hui, rien ne bouge dans ce village. Parce que vous avez rejeté Dieu. Vous l'avez carrément abandonné. Vous avez adoré les démons. C'est normal les conséquences. C'est normal les conséquences. C'est normal que le village soit fermé. Parce que la Bible dit que la fin d'une chose, vous mettez son commencement. Regardez comment vous êtes en train de finir. Gros, je connais que votre histoire m'en a parlé. Tous les cadres de cette région, c'est les soins fermés. Et si vous venez à l'école, c'est l'école qui va à l'école. Regardez, vous êtes les derniers. Vous êtes les derniers aujourd'hui. Gros, écoute très bien. Pourquoi? Parce que tu as rejeté Jésus. Tu as eu l'église ici. Les missionnaires sont venus. Mais vous n'avez pas mis Dieu au centre de votre vie. Ils vous ont apporté l'évangile. Ici, ça n'a été l'église. L'évangile a été prêché ici. Mais vous n'avez pas pratiqué la parole de Dieu. Vous étiez tous des religieux. Des gens qui étaient, qui adoraient, qui allaient à l'église. Et qui adoraient les petits. Qui allaient à l'église. Qui adoraient les petits. Vous n'avez pas enseigné l'évangile à vos enfants. Allez, malheureux, ça fait pitié. C'est comme un campement.
le nom que tu n'es plus avec nous. Parce que vous avez tout l'avez rejeté. Encore avec vous. Pas parce que vous n'avez pas reçu l'évangile. Et n'est-ce pas que vous avez reçu. À nous, j'ai dit que vous avez rejeté. M'appelle la gloire, j'ai dit que vous avez carrément abandonné. À vous, Oumbe. Vous avez préféré le démon. À partir de la gloire, vous avez réussi à faire l'appel. Ah oui, c'est pas maintenant et vous. Vous êtes prêts à changer les camps. Ah oui, l'ami de qui. Si vous êtes prêts à changer les camps. Ah, vous voulez que Dieu. Vous voulez abandonner le diable. Allez, c'est vrai que Dieu. Qu'on lève la main droite. Allez, c'est vrai que Dieu. Si vous êtes prêts à abandonner le camp du diable. Dis-le-moi.